Les lignées des Internet pensaient tenir la preuve du mépris de la famille royale envers Meghan Markle. C'est un peu plus compliqué que ça. Il n'a pas fallu longtemps aux théoriciens de la conspiration royale pour trouver un angle d'attaque contre le message d'anniversaire au prince Harry. Le 15 septembre, Buckingham Palace a souhaité au duc de Sussex un « très joyeux 40e anniversaire » sur les comptes de médias sociaux du roi Charles III. Quelques heures plus tard, l'équipe du prince William et de Kate Middleton leur a emboîté le pas en repostant le message de Buckingham Palace sur leurs comptes officiels, en ajoutant « Nous souhaitons un joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex ». Des déclarations pas particulièrement originales ou sentimentales, mais bien mieux que rien. Comme le rappelle le Sunday Times, le prince Harry n'avait pas reçu de vœux publics d'anniversaire sur les comptes officiels de sa famille depuis 2021. Les sentiments chaleureux et flous suscités par ces messages inattendus n'ont pas duré longtemps, car de nombreux internautes ont affirmé que la famille royale avait délibérément recadré Meghan Markle de la photo, qui avait été prise à l'origine lors de la visite du couple en Irlande en 2018. Des dizaines de milliers de photos de Harry, et la famille royale en a choisi une sur laquelle elle a recadré Meghan Markle, a écrit un utilisateur de X, ex-Twitter. Bien joué, famille royale, bien joué. Alors, la famille royale a-t-elle vraiment utilisé l'anniversaire du prince Harry pour faire oublier Meghan Markle? C'est peu probable. Une recherche rapide sur Getty Images révèle deux versions de la photo prise par Jimmy Rainford, un plan large qui inclut Meghan Markle et une version zoomée du prince Harry. Selon le site de The Independent, Buckingham Palace a confirmé que la photo d'anniversaire n'avait pas été modifiée et qu'elle avait été utilisée telle qu'elle avait été reçue. Maintenant que la question est réglée, devrions-nous considérer ces messages comme une main tendue? Le suspense demeure. Alors que la famille royale est en proie à des tensions depuis que le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés de leur poste de haut dignitaire royaux en 2020, l'absence de publication pour les anniversaires semble être une autre coutume royale alambiquée. Selon le Sunday Times, le roi Charles n'envoie des messages d'anniversaire public qu'aux membres de la famille royale qui travaillent, à l'exception des anniversaires spéciaux comme le 40e anniversaire de Harry. En fin de compte, il faudra probablement bien plus qu'un message de « joyeux anniversaire » pour réparer ce fossé royal.